Tout ça là, ce qu'ils ont fait aujourd'hui là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et même ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Même si les enfants sont dans les bureaux aujourd'hui, nous les pauvres, ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. C'est la détresse totale pour cette bonne dame qui mène son petit commerce aux abords de Navoa, au quartier Okedama dans le premier arrondissement de Parakou. Elle a été forcée de libérer cet espace public qui lui permet de mener son activité génératrice de revenus afin de subvenir aux besoins de sa famille. Comme elle, ils sont nombreux à vivre la même situation dans la ville de Parakou. La phase répressive de l'opération des espaces publics est ainsi lancée, comme annoncé par le gouvernement. Les occupations anarchiques sur les terre-pleins centraux et les trottoirs de toutes les athées sont rasées par ce bulldozer commis à la tâche, au grand désarroi des pères et mères de famille. Où on va, où je vais encore gagner l'argent maintenant pour dépenser ça là? Voilà, là où elle m'aide un peu. Si moi, il n'a pas de travail, regarde là, je suis maintenant actuellement, je suis maître maçon. Je n'ai pas aucun travail maintenant. Comment je vais faire maintenant pour pouvoir régler ça là? Et l'école est là, je n'ai pas fini de payer les choses pour mes enfants. Voilà, ils m'ont mis dans autre problème maintenant. Donc ça là, ça ne m'a pas pris du tout. Si lui-même est là, il est un paysan, il est un président pour nous, vous n'avez qu'à regarder et savoir faire avec nous. Ce n'est pas bon. Ils ont déchiré tout! Les hangars, on n'a rien pris avec nos pièces. L'argent de tôle, un sale fait aujourd'hui, c'est à 2 800. C'est là, moi, je mange avec mes enfants. Il y a beaucoup de parents ici aussi. C'est là, ils nourrissent leur famille. Mais ce n'est pas bon. Ce qu'ils ont fait là, s'il est venu pour nous tuer la population, il n'a qu'à savoir que la bouche que Dieu a créée là, il ne doit pas manger du sabre. C'est manger, vont manger. Ils n'ont qu'à regarder qu'eux-mêmes là, ils ont déjà traversé une étape avant de devenir quelque chose aujourd'hui. Si tu n'as pas cherché 5 francs aujourd'hui, ça ne doit pas devenir 10 francs. Avec le temps là, on a commencé le rentrer, on n'a pas encore fini les fournitures des enfants. Maintenant, on dit de décapiter, on va aller où? Là où ils veulent qu'on va aller, ils n'ont qu'à nous dire on va rester. Nous, on n'a pas aucun le choix. Avant quand même, c'est dommage. C'est très dommage pour le peuple. Le peuple souffre, il n'a rien comme travail. Nous qui avons appris pour rester quelque part, manger avec la famille, on dit de quitter. Madame Raji est vendeuse de repas. Elle a été aussi déguerpie. Son mari était au chômage technique. Suite à la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger, elle parvenait grâce à son petit commerce joindre les deux bouts avec ses enfants. Mais ce déguerpissement vient encore tout compliquer. Mon mari aussi, c'est un chauffeur, il est garé là à la maison. C'est moi qui je me débrouille un peu, on mange, les enfants trouvent à manger. Même la rentrée là, on n'a pas encore fini de payer les fournitures. Nous sommes là, débrouillés. Mais ce matin, on vient, on nous casse tout. Donc, ça m'a étonné, je ne sais plus quoi faire, je ne sais même pas où rester. Maintenant là, je ne sais pas où rester, papa à la maison, maman aussi à la maison. Les enfants, qu'est-ce que les enfants vont devenir? Au moins, le matin, si les enfants partent à l'école, on trouve 100 francs là, on les donne, ils vont. Sous le choc des dégâts causés par le bulldozer, des riverains implorent la clémence des autorités au plus haut niveau. Vous avez de pardonner, dites-les, pardonnez votre travail dans tant de lieux. Dégagez, enlevez vos tôles, c'est encore mieux. Voilà maintenant, il faut regarder, vous aussi, regardez, clôture, c'est pendant des années. Rien n'a été construit dedans, à l'intérieur. Hein? À moins, ils vont se casser et manger, de pardonner. On ne veut pas la guerre. Bénin, on dit Bénin, là, comme Bénin le faut là. Ah, pardonnez, on ne veut pas la guerre ici. Cette réforme-là, c'est bon. Avant quand même, on a qu'à penser à le peuple. Le peuple souffre. Sincèrement, ça ne va pas, il n'a pas de boulot. Ça ne va pas. Artisans souffrent, sincèrement. On a plus bien métier pour manger avec la famille, rien ne va pas. Cette opération qui avait eu lieu pour la première fois en 2017 s'était soldée par des crises sociales dont plusieurs Béninois traînent encore des séquelles aujourd'hui.